Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale sur la mise à jour de l'information en direct en avant-première sur le compte développeur. Et vous voyez qu'il y a des nouveautés de ouf, oufissime, dinguissime, tout ce que vous voulez, issime. Mais pour cela, il faut toujours rester informé en mettant les petites clochettes, être abonné à la chaîne, mettre la petite clochette avec les deux petits traits dessus, c'est important, vous recevez tout en avant-première. Et bien sûr, si vous appréciez ces contenus, mettez un gros like, le gros pouce bleu qui favorise bien sûr le youtubeur que vous aimez, j'espère, moi je vous adore. Bref, alors, on va rentrer dans le vif du sujet, il y a beaucoup, enfin, il y a pas mal de petites choses à dire, et je vais vous expliquer tout ça. Comme vous le voyez, je suis en arène légendaire, mais vous voyez un espèce de blason particulier. Il s'agit de l'apparition des ligues, pour ceux qui connaissent Clash of Clans, il y a des ligues, mais qui dit ligue dit aussi récompense. Alors je vais vous montrer, là je suis dans la meilleure des ligues, champion suprême à 6400 trophées. Mais vous allez dire, mais personne n'a atteint ça. Alors on va y revenir. Alors je défile, il y a 9 nouvelles ligues. Ces ligues apparaissent à partir de 4000 trophées. L'arène légendaire est à 3800, mais à partir de 4000, vous devenez un combattant de niveau 1. Un combattant de niveau 1, il a, vous voyez, un espèce de coffre tout nouveau, magique, on dirait, qui c'est qui l'a photoshopé celui-là, bah c'est Supercell. Ce coffre, vous le voyez en haut, il a 101 cartes, mais ce coffre-là, il est très particulier, mais vraiment très très particulier, parce que c'est un coffre de tirage, c'est un coffre draft. En fait, vous allez choisir à chaque fois, il y a 2 cartes qui vont apparaître, vous allez avoir par exemple, je sais pas, 30 gobelins sarbacanes, ou alors 30 esprits de feu, et vous choisissez lequel des deux vous voulez, et puis voir réapparition de cartes, encore un choix entre 2 cartes, et vous choisissez ce que vous voulez. Donc ça, je trouve ça vraiment génial comme concept, mais je vais vous le montrer après, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous montrer l'ouverture de ces coffres. Alors, là, on est en combattant 1 à 4000 trophées, vous avez vu le nombre de cartes, là, il y a 151 cartes dans le coffre. Alors, ce coffre arrive en fin de saison, et je dois vous préciser tout de suite que la saison maintenant passe, non pas, ne durera plus 15 jours, mais durera 1 mois, et ça sera tout le premier du mois, comme sur Clash of Clans, où vous aurez le reset des saisons. Alors, 151 cartes pour combattant niveau 2, vous voyez en même temps les beaux, il y a 4300 trophées, à 4600 trophées, donc on va de 300 en 300, on se retrouve combattant 3, avec un coffre draft de 201 cartes, comme vous le voyez ici. Tiens, j'aurais dû vous le montrer avant, effectivement, vous voyez qu'il contient au moins 20 épiques, 100 rares, sur 201 cartes, donc plus de la moitié, c'est de la bonne carte. On va revenir vite fait sur combattant 1, parce que je voulais pas montrer, cliquez dessus, 101, donc vous voyez le nombre d'or aussi, vous voyez le nombre de cartes, 10 épiques, 5 en or, donc c'est pas dégueu, mais on va ouvrir tout ça de toute manière, vous inquiétez pas. 151 on a vu ici, 15 épiques, 75 rares, la thune entre 2008 et 3100 à peu près, hein, grosso modo. Combattant 3, je vous l'ai remontré, je vous le remonte, 201 cartes, donc pour ceux qui auront atteint les 4900 trophées, non, 4600 trophées, donc ça va, c'est enfin c'est faisable pour ceux qui sont, hein, j'ai envie de dire, mais bon, les autres, voilà, va falloir rusher grave. On passe une nouvelle catégorie de ligue, les masters, les maîtres, à partir de 4900 trophées avec un coffre draft en fin de saison, donc au bout d'un mois vous récupérez ce coffre qui contient ici 251 cartes, 4769 d'or à 5271, 25 épiques, 125 rares, il peut y avoir des légendaires hein, bien sûr, hein. On va essayer d'en dropper d'ailleurs, 5200 trophées, 301 cartes, Master 2, 5700 à 6300, 30 épiques, 150 rares, ça commence à être lourd. Master 3, 5500 trophées, 351 cartes, 6600 à 7300 en or à peu près, 35 épiques, 175 rares. Alors bien sûr, le fait que justement le reset de saison se fait tous les mois, bah, ça veut dire que vous allez monter plus haut en trophée, hein. Vous n'allez pas redescendre comme ça, donc forcément il y a plus de possibilités d'aller plus haut en trophée. Donc on va avoir des nouveaux records de trophées, ça c'est évident. Ce coffre champion, la dernière catégorie de ligue, c'est champion, ça va de champion à champion suprême, 7006, 8421 en or maxi, avec 40 épiques, 200 rares, vous avez champion 2 à 6100 trophées, j'aime bien le blason, puis le magnifique, enfin, le plus beau, il me semble que c'est le dernier forcément, hein. 8500 à 9400, 45 épiques, 225 rares, 451 cartes dans le coffre, et enfin le champion suprême, 6400 trophées, tout le monde va vouloir être champion suprême, ce qu'ils pourront du moins, avec 501 cartes, 50 épiques, 250 rares, donc vous voyez, c'est pas qu'il y a moins
que dans un coffre de super défi, mais quand même il est épique parce qu'il en draft, vous choisissez, vous jetez ce qui vous plaît pas, vous prenez ce qui vous plaît, donc c'est quand même assez ouf. Donc pour un total d'or de 10 500, donc tout ça, voilà, ça c'est bien, et ça sera à chaque saison. Avant qu'on ouvre donc ces coffres là que vous voyez en bas, vous voyez pas indiquer la différence entre saisons, mais en fait là j'en ai mis un de combattant 1, combattant 2, combattant 3, puis après master 1, et on va monter comme ça. Je vous ferai les 9 coffres donc de ces 9 ligues. Remarquez aussi la petite animation derrière, les petits carreaux hein, comme ça qui bougent là dans l'ex suprême où je suis. Remarquez également ma position en fait dans la ligue 21, et vous voyez le blason comme ça là, ligue machin. Je vous montre éventuellement sur le leaderboard donc de compte développeur hein. Alors là le reset, faites pas attention, il y a marqué 3319 jours, mais c'est pas vrai hein. c'est bon là, voilà, c'est en bêta, ça c'est comme ça. Par contre voyez que on voit les blasons maintenant de la personne, de la ligue en fait, de la personne Farce Attack avec ses 11758 trophées, etc. BFA YouTube, bah, c'est moi. Et puis vous voyez ceux qui sont combattants, hein, donc on n'en a pas d'autres. Mais si, je vais vous montrer tout ça. Alors, je propose qu'on ouvre un premier coffre en Ligue 1. Voilà, c'est parti, ouverture du coffre en Ligue 1. Donc vous voyez qu'il reste 4 cartes, 2104 d'or. Donc ça c'est le plus petit coffre en draft, et là vous voyez il y a deux cartes. Vous voulez quoi, 4 gargouilles ou 4 hordes de gargouilles? Si par exemple moi je veux ben la horde de gargouilles, je clique à droite, hop là, et ça sera ça que j'ai pris dans ce coffre. Le reste je l'aurais jeté, je l'obtiens pas hein, vous avez bien compris. Géant royal ou fléchette, on prend géant royal, on a le géant royal. Ensuite les rares, 51 rares, je vais prendre par exemple la mousquetaire s'il m'en manque, je ne sais pas. Et enfin les épiques, 10 épiques, bah là, garde par exemple, parce que je préfère les gardes à la sorcière. Et voilà, le supplément d'or, bon voilà, ça c'était... c'est parce que j'avais les cartes maxées ici, au niveau de ce compte développeur. On va ouvrir un coffre de fin de saison 2 pour les combattants 2. Il y a un peu plus d'or. Là, pareil, un peu plus de cartes. Les esprits de feu, par exemple, je les veux. Il y a la cabane, bah, je préfère la cabane à la tour à bombe, quoi qu'elle va être augmentée, la tour à bombe. Donc, à voir. Plus 66%, hein, ça a eu des petites modifs. Et là, vous voyez déjà les épiques, 15 épiques. Là, on veut pas le clone, on veut la foudre. C'est super. Et peut-être, hop, 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 une légendaire. Mais il y en a deux. On choisit celle qui nous plaît. Donc, vous voyez déjà que sur ce coffre-là, bah là, on veut la nouvelle légendaire. On veut la sorcière de la nuit, forcément. Donc voilà, ça c'est magnifique. Donc c'était sur ce coffre de saison 2. Alors, alors je vous remontre quand même, hein, hop hop hop. On va faire maintenant le coffre qu'on obtient en combattant 3. Combattant 3, on va l'ouvrir, hop hop hop. 5 cartes cette fois-ci, vous voyez, ça monte en or, on monte crescendo. 3850, de la fournaise, ou il y a des petites cassures derrière là, c'est Waterloo. La fournaise, on la prend. Ensuite, la foudre, par exemple, en épique. Vous savez qu'il y a une épique là. Les Tesla, j'en veux pas. Donc, je prends les fléchettes. Le golem de glace, ça me paraît sympathique. Et enfin, ça sera encore des épiques. 19 épiques, par exemple. 19 ballons, pourquoi pas. Voilà, là, il n'y a pas eu de légendaire. Donc, ça, c'est légendaire, c'est comme d'hab. Hein. C'est pas garanti, peut-être. On va voir dans les coffres un peu plus haut. C'est un peu plus garanti. Alors, on avance maintenant et on prend un coffre qui correspond en fait à mettre 1, donc 4900 trophées en fin de saison, ça va donner ça. Alors 5000 d'or, vous voyez que ça monte un peu, hop hop hop, et là on va prendre bah, la nouvelle carte forcément, on se dit qu'on est nouveau dans le truc, on n'a pas assez de cartes, la chauve-souris qui est déjà maxée chez moi, sans compte développeur bien sûr, je vous le répète, hop, les petits gobelins, les archers par exemple, vous voyez que le coffre il est quand même mignon. Enfin, il est tout de suite mieux du fait qu'on peut choisir. Donc la boule de feu, par exemple, 126 boules de feu, ça fait vachement du bien. Et enfin, alors là, quand on voit ça, on se dit, la loose ou pas la loose, bébé, s'il te plaît, en plein pack opening, on dit le bourreau avec son nouveau design. Voilà, comme ça, on est refait. Alors, petite interruption, le temps que je remette des coffres pour vous montrer deux ligues, alors, 1, 2, 3, 4, de 5, 5, 6, 7, 8, et après, il restera le 9e. Je suis rechargé en coffre, donc on continue. On a dit le cinquième, hop hop hop, on a fait 1, 2, 3 cela, on a fait le maître 1, on va faire le maître 2 à 5200 trophées, c'est celui-ci tout à gauche, c'est parti avec 6279 d'or, vous voyez que ça monte. Alors on prend les gargouilles, on va prendre la requête par exemple,
On va prendre, donc avec 15 rares, on va prendre les communes, il y en a une centaine quasiment, les esprits de feu, ouh, pas mal, hein, beaucoup de rares ici. Oh, et déjà de la légendaire, vous voyez, on a déjà un choix de légendaire, alors qu'il reste encore une carte, par exemple, je vais prendre le Modos, et là, je reclique, et ça sera 30 épiques. Là, par exemple, ballon, voilà, c'est très bien, donc franchement, là, c'est très difficile d'avoir des cartes où on n'est pas content, parce que franchement, on a forcément des... au bout d'un moment, des choix sympathiques. On continue. On était... tac, tac, tac. Donc il reste Maître 3. Et après, on va passer dans les champions. Donc, Maître 3, ça va correspondre à 6819. Avec pas mal de communes. Voilà, 140 communes. Avec 28 rares ici. Voilà. Je fais mon choix, vous voyez. Hein, je fais les bons choix. Là, pour être cochon, pourquoi pas. Encore de la rare. Beaucoup de rares extracteurs ici, 117. Donc, on a eu masse rare. Déjà de la légendaire, encore une fois. Bûche ou anciens, je sais pas, allez, la sorcière de nuit, et ça sera les épiques 35 cette fois-ci et pas 30. Vous voyez que ça monte crescendo. On va prendre l'armée de squelettes par exemple, et là on va passer au champion 1. C'est parti, le champion 1, 7800 d'or. Les communes, un petit bomber, ça fait plaisir. 160, enfin non, on s'en fiche, mais bon, je le prends quand même. C'est juste parce que là, je suis excité du pack opening. Des épiques x4, je prends. Des épiques, pareil, bouliste, je prends. x7 épiques. Encore des épiques, le genre squelette, quand on n'en veut pas, bah on le prend pas. Clairement, la sorcière, loupe, la foudre. Et là, ça sera... ouh, 200 rares mini PK, on est refait. Et enfin... ça sera légendaire. Et là on se dit le zappy, bah non. Alors tout de suite cimetière, et ça c'est fait. On arrive en champion 2, et après il restera un coffre à recharger. 8700, allez, c'est parti, des épiques, du gros PK. On veut du géant royal, 180, 41 rares. On prend ça par exemple, on prend la fournaise, 184, purée, qu'est-ce que ça va vite qu'on a ça. Les poisons, pourquoi pas, il reste deux cartes, on a eu beaucoup d'épiques, boum, légendaire, pareil, là je reprends ma petite sorcière qui est en train de se maxer. Et boum, les épiques, on veut de la tornade par exemple pour se mettre bien, vous voyez que c'est formidable. Allez, je vous mets tout de suite le chest manquant. Allez, c'est parti, on ouvre maintenant le chest de champion suprême, Ligue 9, allez. On l'ouvre, là on a presque 10 000 d'or, on a pff, du mortier, non on n'en veut pas, esprit de feu, oh là pas mal de rares, on a au moins 140, 135 rares là à peu près, là on va peut-être les plus de 200, on va prendre le golem de glace, il nous reste 5 cartes, on a encore de la rare, du cochon, encore de la rare, on a eu masse rare là ici, mini PK, boum, 21 épiques, ça commence à prendre forme. Et on aura encore, boum, 29 autres épiques, là, du ballon. Et enfin, qu'est-ce qu'on a en surprise? Wouah, deux légendaires d'un coup, un coffre massif. Franchement, magnifique, qu'est-ce qu'on prend? On prend le cimetière, bien sûr, et ça nous donnera un... vous avez vu, quoi, il y a eu 200 communes, il y a eu peut-être 300 rares, on a eu 50 épiques. Et on a eu deux légendaires d'un coup dans ce coffre à choisir entre le dragon infernal et le cimetière. Ça a donné ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce stick pick, il est oufissime aussi. La mise à jour, elle approche forcément. Et donc, et ben voilà, je pense que vous êtes tout autant excité pardon, que moi, et dites-moi en commentaire le sneak peek que vous avez préféré, quelle est la sortie, la nouveauté qui vous intéresse le plus. Moi personnellement c'est les 2v2, clairement je vous le dis, malgré que tout le reste soit génial, les 2v2 moi c'est le truc le plus oufissime. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi si c'est autre chose pour vous en commentaire, le gros pouce bleu franchement si vous trouvez ça franchement que Supercell a fait d'énormes efforts pour cette mise à jour, et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.